petits amis, je reviens filmer ma bouille dans cette vidéo. Bonne résolution 2024. Pour celles et ceux qui avaient envie de revoir ma bouille, c'est chose faite. Bonne année, comment ça va? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Blablabla. Le dernier épisode, je vous disais que j'avais envie que l'amour et le sujet des relations amoureuses et romantiques soient, alors pas absents complètement de ma vie en 2024, car je ne me fais pas d'illusions, mais en tout cas beaucoup moins présents, car comme je vous l'expliquais, je consomme en fait beaucoup de contenu, quel qu'il soit, sur ce sujet. Je suis devenue une experte, je pense, bientôt je suis coach love. Et c'est très bien, je regrette pas, hein, j'ai appris plein de choses et découvert plein de concepts qui sont certainement très importants. Néanmoins, l'idée quand j'ai lancé cette chaîne, c'était justement de prôner, alors prôner, c'est un bien grand mot, mais en tout cas de prôner un célibat heureux et voire choisi. Ou en tout cas, même s'il était subi, de pouvoir trouver le moyen de le kiffer et de le voir sous un angle plus positif. Or, je pense que la mission est partiellement remplie. Je pense qu'effectivement, il y a certains moments dans ma vie où le célibat n'est pas un problème. Mais, étant donné que j'ai quand même beaucoup vécu ma vie sentimentale en couple, ça reste quand même encore un peu un espèce de réflexe et une espèce d'objectif plus ou moins assumé ou plus ou moins conscient de se remettre en couple. Donc voilà, j'étais encore beaucoup beaucoup sur des contenus qui parlaient de ça et je me suis rendu compte là récemment, bah peut-être à peu près au moment où j'ai fait mon dating fatigue et où j'ai dit j'arrête tout, bah je pense que du coup, continuer d'écouter les podcasts et les trucs qui parlaient de tout ça, ça devenait pesant et je sens que j'ai également besoin, le step d'après, c'est de plus, voilà, que ce soit plus autant un sujet, quoi. Et pour vous montrer ma bonne foi, je vais me désinscrire de tous les contenus qui parlent de love sous vos yeux ébahis. Alors, par quoi on commence? On peut peut-être commencer par les podcasts, parce que c'est quand même le contenu que je consomme le plus. Les podcasts dont je vais parler, c'est des podcasts que j'ai énormément consommés, donc que je recommande néanmoins et que je valide. Si jamais ce sujet-là vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner vous-même. Mais moi, voilà, en fait, l'idée, c'est vraiment de matrixer mon cerveau pour qu'il se focus sur un autre sujet que celui sur lequel il est, majoritairement. Donc, voilà, je vais me désabonner de plein de choses. Mais n'hésitez pas, vous, en revanche, à aller les écouter, parce que c'est vraiment des trucs, en général, si je les écoute, c'est parce que c'est bien, hein. Je filme pas avec le truc habituel et du coup, je suis extrêmement claire. Je suis blanche comme un cul. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? C'est mieux là? Non. Pas du tout. Tant que j'y suis. Oh, c'est quoi cette lumière? On dirait qu'il y a Jésus qui va apparaître à tout moment. Merde! Je vais baisser le volet. J'abandonne. Vous voyez pourquoi je fais des épisodes audio? C'est quand même vachement moins chiant. Bien, reprenons. La maladie d'amour, c'est le nom d'un podcast. Je me souviens même plus de quoi ça parle. A-t-on raison d'aimer? Alors on va se désabonner. Qui c'est? C'est Louis Média. Mais c'est un super truc, hein, je pense, mais. Hop, on se désabonne. Voilà, on arrête d'écouter ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Chagrin d'amour par Olympe de Gouges. C'était super. On se désabonne. Hop.
Qu'est-ce qu'on a? C'est pas toi, c'est moi. J'adore ce podcast par Leslie Grano. Mais ça parle, voilà, que de relations amoureuses, quoi, ou de célibat, hein, mais ça va être dur d'arrêter d'écouter ces épisodes parce qu'ils sont vraiment très bien. Allez-y. Je me désabonne. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Single Jungle. Ben oui, ça parle de célibat. Alors, c'est bien hein, de parler de célibat, mais du coup, qui dit célibat dit relation. Et en fait, quand j'écoute des trucs sur le célibat, ça me renvoie quand même aux relations amoureuses. Donc, vraiment, je veux arrêter tous les contenus qui sont autour des relations ou du célibat. Single Jungle, c'est un podcast qui est hyper intéressant aussi. Les chroniques de bisous, pareil, c'est autour des relations. On se désabonne. La la la, j'imagine que c'est un podcast sur les amours aussi. Récits intimes et témoignages, Énergie France. Des abonnés, paf! La chamade. J'adore ce podcast. C'est trop bien ce podcast. Courez vous abonner, c'est génial. Mais voilà, ça parle quand même d'amour, quoi. Donc ça dégage cœur, cœur, cœur. Super bagatelle, je sais même pas ce que c'est. Mathias, les crushs, épisode 8. Des abonnés. Il y a des trucs, je me souviens même pas. Hein. Je peux te faire un vocal. C'est une meuf qui parle de plein de choses, mais qui parle quand même beaucoup de relations. Impératrice fou, elle rigolote. Des abonnés. Hotline, mon chouchou de toute la vie, mais il n'existe plus. Ça a parlé beaucoup de relations quand même, hein. Mais ça n'existe plus. Ça parlait de cul, même, majoritairement. Donc, je reste abonnée pour voir quand même s'il relance le truc, parce que c'était hilarant, c'était avec des super meufs. Mais bon, vraisemblablement, il n'y a plus. Anecdate, super podcast qui est, j'allais dire hosté, comme on dit en français. Je suis insupportable. Animé. Animé par un gars, Emeric, je sais plus quoi, l'écrivain. Très intéressant. Mais bon, voilà. Émotion. Ça parle pas que des émotions sentimentales. On va peut-être le garder quand même, celui-là. Amour. Ah, Léa Bordier, c'est une meuf trop chouette. J'adore tout ce qu'elle fait. Elle a de l'or dans les doigts. Je la suis sur YouTube aussi pour plein de séries vidéo. Et là, donc, c'est un podcast qui s'appelle Amour. Bah, je suis obligée de me désabonner. Je vais plus rien avoir à écouter. Tita, tita, tout. Un autre qui s'appelle Amour. Ah oui, c'est avec la nana qui a le compte Je ne veux pas d'enfant. Il est très très bien aussi ce podcast. Bah, elle a dû arrêter parce qu'il n'y a pas de nouveaux épisodes depuis un moment. Des abonnés, c'est compliqué. C'était un podcast sur les relations de Slate, je crois. Ouais, c'est ça. Des abonnés, tac. Vous voyez un peu quand même le nombre de trucs auxquels j'étais abonnée rien qu'en podcast. Hein. Phoenix, ça c'est un podcast sur la rupture amoureuse. Donc elles font plus de nouveaux épisodes. C'était Bérangère Krief et Marine Baousson. C'est un podcast qui est terminé, mais que je vous conseille vivement, que je vous ai déjà conseillé, si vous êtes en chagrin d'amour. Très utile. Ensuite, Deuxième vie après le divorce. Ça c'est pareil, c'était un podcast de Fabrice Florent. Sur la séparation qui était hyper bien. Deuxième vie après le divorce. Il n'y aura pas de nouveaux épisodes, je pense, de toute façon. Donc je me désabonne. Cœur sur la table. Bon.
n'y a pas de nouveaux épisodes. Quoi qu'il y a des épisodes bonus des fois. Mais c'est trop bien le cœur sur la table. Est-ce que je me désabonne? C'est dur. Les chemins de désir. Qu'est-ce que c'est que ça? Arte Radio. Pff, me souviens plus du tout. Ça doit être sur le cul, hein, j'imagine. Je me disais, ah, bonne. Nat et Véro, c'était deux meufs qui parlaient de relations pour la plupart, avec des invités, des abonnés. Homo Sweepiens, c'est un podcast qui parle d'appli de rencontre. Incroyable le nombre de trucs que j'avais. Comment tu dates? Ah oui, ça c'était trop bien. Un podcast de Marie de Brouwer. C'était hyper bien ça. J'ai envie de rester abonnée, mais je pense pas qu'elle en fera d'autres. De toute façon, je la suis sur Instagram, donc au pire, je le saurai par là. Et c'est tout. Eh bah, je sais même pas combien j'en ai enlevé là. Mais ça commence à faire. Ensuite, on va aller sur YouTube. YouTube, je crois que je regarde pas tant de trucs. Je suis pas abonnée à tant de trucs. Mais la chaîne principale à laquelle j'étais abonnée et qui parlait d'amour, c'est une chaîne dont je vous ai déjà parlé parce qu'elle est super bien. Voilà, c'est Gaëlle Lann, Viens, on s'aime, qui est une super meuf, qui est love coach et qui est vraiment incroyable. La plupart des trucs que j'ai appris et que j'ai réussi à conserver dans mon cerveau, c'est les trucs que elle a transmis dans ses vidéos. J'adore cette meuf, j'adore cette chaîne, mais je vais me désabonner. Les Instagram. Là, ça va être très dur, je pense. Bon, bah, viens, on s'aime, évidemment. Alors, Samia Miskina, c'est la meuf de la chamane, donc je vais arrêter de la suivre. Bah oui, parce que si je la suis sur Instagram, ça va me donner envie d'écouter les épisodes qu'elle sort. Donc, faut que j'arrête de la suivre. Y a qui d'autre? Ah bah, bisous. Les femmes. En fait, tous les trucs que j'ai écoutés en podcast, je les suis aussi sur Insta, quoi. Margot Filioza, c'est une sexologue qui est super. Je vous conseille son contenu, mais je vais arrêter de la suivre. Ah, la célibataire, la vraie. Je peux pas arrêter de la suivre, elle est trop marrante, elle. C'est vraiment du contenu rigolo, donc je peux garder quand même. Ensuite, là j'ai un peu honte. Voyons voir dans ma liste sur Netflix. Parfois j'ai des petits coups comme ça de... Comment dire? Mettre des comédies romantiques à la con dans ma liste de trucs à regarder sur Netflix. On va voir si c'est cata ou pas. J'ai quasiment que des dessins animés. On sent que Noël est très régressif, la période là, et j'ai mis que des trucs à regarder, soi-disant avec mon enfant, mais bon, elle a bon dos. Alors, Dirty Dancing. Je l'enlève, on est d'accord. En plus, je l'ai déjà vu mille fois, quoi. Allez, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bonjour, l'esprit de Noël. Ça pue le sentimental. Allez, hop, ça dégage. C'est pas si... Ah, The Noël Diary. Attachant romantique. Boum, ça dégage. Fight Club. Deux salles, deux ambiances. Portrait de la jeune fille en feu, ça compte pas, c'est une histoire d'amour lesbienne et ça, j'ai le droit. Je me l'autorise encore, ok. Ah, il y a un truc où il y a des gens qui s'embrassent, qu'est-ce que ça? J'arrive même pas à lire le titre, ça dégage. Friendzone, je me fatigue. Torride, bonne humeur, comédie. Ça a l'air d'être quand même une histoire de copine, bon, je verrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Jules et Jim. Ça, c'était parce que je voulais le montrer à ma fille, mais c'est une connerie, non? Quoique non, parce que c'est une histoire d'amour polyamoureuse, non? Ça lui montrera un petit peu d'autres schémas.
Et c'est pas si pire, je m'attendais vraiment à pire parce qu'à Noël en plus j'ai vraiment tendance à regarder des merdes. Ok, le Netflix est cliné. Qu'est-ce qui reste? Bah rien, à part vous parler de mes livres, de mes lectures. J'ai pas mal lu de choses sur le féminisme, mais ça, on va rester féministe quand même. Mais sur voilà, les relations. Des livres qui étaient excellents, mais qui, une fois de plus, me laissaient dans ce sujet en permanence. En fait, j'étais obsédée, quoi. C'était un peu obsessionnel, cette histoire. Donc, j'ai lu notamment Révolution amoureuse, qui est excellent. Dating fatigue, bon, parce que ça me parlait à ce moment-là. Mais là, je vois que j'ai sur ma liste des trucs à lire. J'avais réinventé l'amour de Mona Chollet, qui est probablement excellent, mais en fait, une fois de plus, je ne veux plus lire de choses là-dessus. La chair est triste, hélas, d'Ovidie, qui doit être formidable, mais je le lirai plus tard, en fait. Là, vraiment, 2024, on fait table rase. Et puis surtout, après, le but, c'est de réintégrer quand même des contenus qui parlent de ça, parce que ça fait partie de la vie, c'est pas. L'objectif, c'est pas de d'être dans le déni que l'amour n'existe pas, l'amour romantique n'existe pas, mais là, c'est un petit peu faire une, comment dire, une détox, hein, voilà, une rehab. Et du coup, en termes de livres, moi, je suis une grande lectrice du coup d'essais, j'aime beaucoup ça, notamment sur le féminisme, mais j'aime aussi beaucoup les romans enfants, les romans ados, les romans. Où généralement il y a du fantastique, hein. Harry Potter, toi-même tu sais. Et j'ai perdu du coup le plaisir de lire des trucs légers et rigolos et dans lesquels on est à fond. Donc j'ai décidé que cette année, ou au moins en tout cas les premières lectures de 2024, ce seraient des lectures sympatoches. Et notamment, ma fille m'a prêté, ma fille de 13 ans et demi, m'a prêté des livres. Qu'elle elle a lu déjà et qu'elle me conseille. Voilà, donc c'est de la littérature ado, enfin jeunesse en tout cas. Et du coup, je pense que ça va être sympa pour moi. J'espère qu'il n'y a pas d'histoire d'amour, faut que je lui demande. Ce serait quand même ballot. Et puis voilà, écoutez, cette nouvelle année commence sur voilà un nouveau départ et un recalibrage un petit peu de ce cerveau et de ses pensées. Et puis on verra bien si ça me fait du bien, si ça m'allège ou pas du tout. Je vous tiendrai au courant. Si vous avez des conseils de lecture légère, rigolote, sympa, de podcasts que vous aimez écouter, qui ne parlent pas d'amour, de chaînes YouTube, enfin voilà, de contenus que vous adorez et qui ne sont pas sur ce thème, n'hésitez pas à me les conseiller, ce sera avec plaisir. Peut-être je referai une vidéo d'ailleurs pour vous dire tout ce que j'écoute, tout ce que je lis ou regarde qui n'a pas rapport avec l'amour. Parce que ça peut être sympa de s'échanger tout ça, nos petits tips. Et puis voilà, écoutez, je pense que sur ces bonnes paroles, je vais vous faire des petits bisous. Et je vais vous souhaiter une excellente année 2024. Et je vous dis à la prochaine.